Mais la peau est bonne. On y est, y a plus qu'à lui rajouter plein de merde à la con qui fasse aucun sens. Pas mal, les bras ils sont très bien. Si je mets bras gauche, ça change tout. Là, ça change tout. Pas des pics ou des choses. Parfait. Protège-couille absolument essentiel. Il n'y a pas de pique et tout, il n'y a rien de la culture orc, quel dommage. On va mettre les poils, hein, bien sûr, pour que ça tienne chaud l'hiver. De là, par de Satra, le mode avec les orcs, c'est Lost to Orc. Oui, mais ça rajoute pas les skins des orcs, ça rajoute, ça, c'est un overhaul en fait. Ça change les ennemis par des orcs. C'est bien, mais on n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est pas. Ha 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 ha!
Le pire, c'est qu'on y est, hein. Je veux pas parler mal, mais... Alors, le seul truc, c'est les lunettes. Je sais pas où est-ce que ça s'est mis, ça. Ah, c'est dû au fait qu'il porte l'armure de Duke Nukem. Il met automatiquement des lunettes parce qu'il est cool comme orc. En vrai, il est incroyable. Attends une seconde. Je vais me faire des ennemis. Yes or no, I'm doing it. Alors j'en ai deux des orques. Been waiting so long for this moment. You're going to get curb stomped by Seto Kaiba. 100% à personne qu'il faudra faire ça aussi, Seto Kaiba. Ah ouais. Don't kill me. We gonna shoot some stuff up, yeah? Shoot 'em, crush 'em. I knew today was gonna be special. Parfait. Une couleur pour un pour une équipe d'orques. Il a le t-shirt rouge. Du bleu, du brun. Rouge ou jaune, jaune pour Bad Moon. Non, on veut pas que ça aille plus vite, on veut du Daka. Noir pour les goffs, les plus forts et les plus méchants. Ouais, c'est parfait. Il y a des flammes dessus. Peut-être l'inverse, attends une seconde.
Ouais, parfait. Let's wah. Tatouages qui apparaissent. Tatouage, il est rouge sang. Pour la wah. Les orques sont les plus grands et les plus forts. C'est marrant ça, il a des cheveux. Ah oui, c'est à cause de Duke Nukem, ok. Les enfants, le casque de NFL, je crois que c'est le top du must. Hein. Qu'il y ait des poils par-dessus, c'est encore mieux. Hein. Le torse arraché est cool, mais ça lui donne pas la largesse qu'on voudrait. On peut lui mettre un casque bleu. Let's wah. Dans ce cas, il faut échanger. Il faut mettre du rouge là. Et du jaune là. Le casque à paillettes. Ah, il est prêt pour la WA. Hein. Là, on y croit. Hein. Je veux pas dire, mais il est incroyable comme perso. Hein. Du coup, bien évidemment. Voilà. Et donc, lui... Gunner ou pas du tout? Heavy Gunner 0, bah parfait. Bulldozer, Fire Support, Personal Défense et XCOM. Bien sûr, on va lui donner un vrai truc qui fait daka 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 daka. Voilà le Mauler. Et en pistolet automatique, il peut prendre un Uzi et c'est bien. Un Uzi, ça fait daka daka daka. Mais ça diminue sa mobilité. Voilà, plus de daka 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 daka. Après, il peut prendre un pistolet bolter pour plus de daka. Pistolet bolter volé. Il peut prendre un autre pistolet comme un pistolet automatique magnétique pour plus de daka. De l'armure. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Voilà. Ah,
Ah, très bien, ça passe beaucoup mieux. Ok, très bien. Donc il a ça, et bien évidemment, par contre... Il n'y a pas les flammes. Allez, Zeb. Le verre est trop sombre pour la peau. Ouais, mais c'est le seul qu'on a. Donc on n'a pas le choix. C'est bon ça. Tu rajouteras le mode... Ah oui, j'ai oublié le drapeau LGBT. Peut-être, éventuellement. Tu peux le rajouter dans la collecte, c'est peu important. Alors, voyons voir. Capacité de soldat, on est bien. Simulation personnelle de combat, plus d'agilité. Ne mourra pas pour rien. Chargeur amélioré pour plus de taka. Premier rechargement d'une mission ne coûte pas d'action, super. Très bien. Il est incroyable. Il est incroyable. Ah, il manque la voix de John Wick, c'est vrai. Et je l'ai pas sauvegardé, c'est vrai. John Wick, t'es où? Ah voilà. Et j'oublie une autre voix aussi, je sais plus laquelle. Je sais pas, John Wick. Ok. Oh, right. Bon, j'ai Johnny Silverhand, ça comptera. Ça comptera, ça comptera. Et il y en avait un autre, la voix de Deus Vult, on me dit. C'est pas lui. Non, lui, il est bien. Ah, c'est lui, ouais. Embrace the test, brothers. Take them! Your wise counsel belies your years. Right away. Wait. Get to cover! Don't give in! For the Emperor! Applying stimulant pack. No surrender. Faith and duty. I follow my duty, however far it carries me. I want those guns destroyed. Stay with us, brother. The Emperor is with us. Do not falter. Charge the wall. Silence the alien rifles. Parfait. Ah oui, et eux, ils étaient upgradés. Alors, oh, j'avais pas l'intention d'en faire grand-chose. Je voulais juste les mettre dans les bases. Mais j'ai une question. Quand t'es... Il faut que tes gens soient de haut niveau pour qu'ils soient valides dans les bases, en fait, pour qu'ils fassent un meilleur effet. 16 de mobilité, 58 de visée, 2 de santé. Oh. Mec, t'es un shinobi. Oh, un infiltrator. Qu'est-ce qu'il y a? 7, 14, 5, 67 de visée. Ah, c'est pas dégueulasse, hein. Mademoiselle Machanikova, là, va devenir un infiltrator.
Le cul invisible n'est pas voulu, hein, je vous rassure. Ça randomise. On a déjà quelque chose qui est pas mal. Ouais, d'accord. À poil, mon gars, les vraies techniques. Ah, stylé de ouf. On en a une deuxième fois pour être sûr. Qu'est-ce, mon gars? Je pense à cause de toute la viande que j'ai mangée hier. Oh. Parfait. Ça, on aime. Ça. Avec ça, on est pas mal. Est-ce que, s'il te plaît, biche, tu peux être détendu? Voilà, qu'on voit ta tenue. Merci, le temps qu'on y travaille. Ensuite, motif d'armure, toi. C'est pas mal du tout, mais... un peu much, madame. Un peu much. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver quelque chose de...
peut trouver quelque chose avec un peu de sex appeal sans pour autant que ce soit non plus putassier. N'allez pas me dire que c'est sexiste, c'est ce que les femmes font tous les jours. Oui, mais elles le font pour elles, pas pour toi. Bien sûr. Ça aussi. Faudrait que ça fasse du sens. Cette cravate de merde me gêne. Comment s'appelle la tenue que tu portes? Yves Poered. Avec une tête de poisson rouge. Pourquoi je ne l'ai pas trouvé dans la liste? Ah, elles sont là, voilà, d'accord, très bien, impeccable. Alors, voyons voir. Parfait, pas besoin de collier, tu laisses large. Un peu much, madame, un peu much. Quoique, il y a peut-être un entre-deux à trouver. C'est vraiment... Ça paraît vraiment excessif, madame. Quoique, si je prends ce haut, et ce haut-là, et que je mets ça, et qu'ensuite je mets une veste par-dessus, ce sera ouf. Effectivement, on se fait Poison Ivy, mais c'est parce qu'elle est en vert. Il suffit de changer ça. Il suffit de changer ça et t'as autre chose. Ah.
SCP-2077. Ah, voilà. Quelle différence. Ok, voilà. Très bien, ça, ça marche. Sur la tête. Et une veste. Une petite jaquette qui va faire le taf. Ça par contre c'est cool. La bullette veste. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Sans la ceinture, ça fait putassier, sinon. Mais oui, Bob, mais oui. Tiens, le paradoxe. Voilà, ça déconne zéro. Hashtag, y'a rien qui marche, ok. Hashtag, ça fait que la grossir. Ok, bah laisse tomber. On a payé, ah, je vous sais stylé. Mais ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. C'est gratuit. Impeccable. Oula.
Dommage que les modèles soient buggés. Elle a grave changé, Sveltlana. J'avoue, ça déconne zéro. Hein. Ici, on est équipé, monsieur, dame. Ici, on se respecte. Alors, comment qu'on l'appelle, du coup? Sveltlana boule magique. Tout le monde est sur Sveltlana, et ben va pour Sveltlana. Et le surnom. Va pour Foxy. T'es là, je trouve. Ça s'y est, hein. On va de Scarlet Lake. Parle-moi. That makes it sound like I'm on the right path. Sure. If you say so. Good. Ouf. MVO, j'avoue. Au revoir. You lost. Transfer to your nearest city center. Go for it, big boy. Non plus. Immediately. Extinction is not an option. Perhaps. I accept. Yeah, good. Yeah, good. Non, c'est de l'allemand. Yeah, sure. I assure you. Non plus. Not a problem. Try to keep up. Wow. That's what he said. Yes. Parfait. Elle a la voix d'Elvira, Mistress of the Dark. Je ne veux rien savoir d'autre. Moi, personnellement, je dis oui. Force l'eyeliner. Voilà, très bien. Impeccable. Bon, ben voilà, fantastique. Et c'est une agente. Avec tous les talents d'infiltration qui viennent avec. Guérilla a pris l'O'Neill, j'avoue. Et on la laisse russe? Ouais, on la laisse russe. Je trouve ça colle. Et enfin, lui... Alors, lui, je voulais juste en faire un larbin qui ensuite va dans les... comment ça s'appelle? Va dans les bases pour aider les gens à commander à peu près correctement. Ah oui, j'ignorais si du coup, il fallait qu'il soit haut level ou pas. Est-ce que ça compte ou pas? C'est-à-dire quand tu l'envoies commander dans une base de merde pour qu'il organise un peu la résistance et qu'il fasse du taf. On a combien d'infanterie? On a qu'un, c'est lui. Putain, il nous faut plus d'infanterie en vrai. Il nous faut plus d'infanterie, c'est une catastrophe.
Mais du coup, lui, on va lui mettre un... Comment dire? On va lui mettre un drapeau spécifique. Ce qui fait que du coup, on arrivera à reconnaître... Homer Simpson lui va très bien. On arrivera à reconnaître qui sont les connards qui travaillent dans les... dans les boîtes. Le drapeau d'XCOM. Quelqu'un d'autre a le drapeau d'XCOM? Fais voir. Oui, Bob Ross. On va le changer. Ça lui va. Impeccable. Donc tous les connards qui ont le drapeau, ce drapeau là, c'est des connards qui vont bosser dans les comment ça s'appelle, dans les usines avec les autres. Impeccable. Il nous faudra plus de soldats aussi. Il nous faudra qu'on achète plus. Oui, c'est quoi l'amitié? Oui, ça m'intéressait pas, c'est vrai. Alors est-ce que j'ai des constructeurs qui servent à rien ou qui sont oisifs? Ingénieur disponible, ouais, tout à fait, c'est oisif, c'est oisif. Voilà, ça déblaye, ça déblaye. Qui voudrait tout transformer en officier? Qui pense-t-on que ça a de la valeur qu'il soit transformé en officier? Mitsumiko, je pense que ça a de la valeur qu'elle devienne officier. Que c'est intelligent, surtout qu'elle est soigneuse. Et le fait que la moitié du visage lui manque, je trouve ça kino as fuck. Je suis toujours déçu qu'elle ait pas d'abdos cependant, mais ça c'est ma, ça c'est ma. Donc du coup, ordre de mouvement non, ou marquage de cible, marquage de cible. Tu vas apprendre. TKT. Ok, très bien. Et eh ben fantastique. Vite construire. Qu'est-ce qu'on peut construire? Rien, parce qu'on est pauvre et qu'on manque d'électricité. Tant pis. Alors. Volonté 8, force. Enfin, F3. Je sais pas ce que c'est ce F3. La volonté 2, volonté F3. C'est vrai que ce serait plus intéressant. Refuge là, mec. Ok, blessé. Je peux pas les mettre parce qu'il est encore blessé. Ok, d'accord. Vous êtes tous en mode renseignement. Alors, c'est intéressant. Et faites péter de la ressource. Voilà. Faites péter de la ressource. Ok. Vous êtes déjà assez nombreux. Faites péter de la ressource. Péter de la ressource. Et enfin commandant, pour le moment nous manquons encore d'informations pour connaître la position des membres de la résistance dans cette région. Garde mes informations de renseignement, sinon ça va être une gabégie. Ressources, trop de renseignements. Tout le monde au renseignement ici, c'est une bonne chose. Et
là, un peu de renseignements et surtout des ressources, parce que j'ai besoin de ressources. Allons-y. Mettons le cap sur l'Europe de l'Est, secteur 6. On se capte. Nouvelle cible, voyons voir. Notre prochaine opération nous conduira au cœur du territoire de l'élu, commandant. La créature risque fort d'interférer. Nous devrions donc nous organiser en conséquence. Évacuation Fisk, c'est TIE Squad UX, délectration 19 tours, départ révélé. Ah, départ révélé, donc c'est la guerre. Et centre urbain. Commandant, je détecte de faibles traces d'un signal. Quelqu'un au sol nous envoie un message, mais c'est trop brouillé. Ouvrez l'œil, il y a peut-être des contacts là-bas. Ah. Réfléchissons. Réfléchissons à qui on veut. Déjà, on va prendre des soldats qui sont pas épuisés psychologiquement. Marine Body, ça c'est gratuit. Néon nettoyeur, donc on a deux ninjas. Un bourrin. Un artificier. Et un Ivy Ganaz. Superflu. Un pirate, j'ignore si ce sera réellement utile. Mais l'XP lui fera du bien. Et est-ce qu'on peut amener quelqu'un derrière pour le bonheur ? Le scraper et l'infiltratrice, et c'est pour les faire pexer. Expiration de mission dans 7 jours et 10 heures, infiltration totale dans 6 jours et 18 heures, jusqu'à 109%. Hey, on est pas mal! On est pas mal. Ça sauve.
pas la joie des grenades. Jamais ça peut sauver, prends-le. Voilà, très bien. Impeccable. Besoin de rien de plus, besoin de rien de plus, besoin de rien de plus, besoin de rien de plus. Écoute, you never know. Let's go. Pas le droit de porter une gatling, toi d'ailleurs. Non, un fusil à pompe, mais tu veux un fusil normal. Ok, cool, fair enough. Let's go. Allez, ça envoie. Bon, ça, Medikit, Bob. On n'a pas de soigneur. Elle est en entraînement, notre soigneur. Escouade parée au déploiement. Ok, ça infiltre. Bon, bah ça mettra 5 jours. Nouvelle cible, de quoi ça s'agit? Sauver des contacts. Activité très faible. Évacuation fixe. Départ camouflé centre urbain. Mission de sauvetage et d'infiltration. On verra si ça passe ou si ça passe pas. Bon, John Rambo, il est à l'hosto, John. Mercure, unité menace prête au déploiement. Allez, ça envoie. Bon, ça infiltre vachement plus vite. Une autre cible. De quoi ça s'agit? Matériel ennemi. Débris extraterrestre déblayé. 59 de ressources. Ici, c'est intéressant. Là, j'aimerais bien construire un power relay parce que c'est là où il y a le blindage de la bobine. De l'autre côté, on peut faire un atelier. Je pense que je vais peut-être l'installer au centre, l'atelier. Comme ça, tous les bâtiments qui auront besoin... Ah, quoique... Ah, ça serait intéressant de mettre ça là aussi. Ah! Ça, les installations, ça a l'air fou, ça. Parce que là, il vaut mieux le mettre au centre, histoire qu'il soit le plus central possible. Ça va même me donner un d'énergie. Oh, bah fantastique.
Eh ben ça envoie. Force en sous-détectif, revenu faible et lien disponible. Très bien. Un message prioritaire pour vous, commandant. Je l'affiche sur l'écran. Je reconnais que la situation n'était pas à votre avantage, mais nos échecs successifs au cours du dernier mois commencent à inquiéter la résistance. Il vous faut rectifier le tir au plus vite. Comment ça, opération de guérilla ratée ? Ça veut dire... En fait, faut que je fasse toutes les missions que je vois ? Sinon, quel enfer ! T'as échoué des missions. Moi, j'ai échoué une mission. Une cause inconnue, moins 17, chier. Nos amis de la Résistance ont partagé leurs informations sur ces élus envoyés par les anciens. Ces choses risquent de nous traquer sans relâche jusqu'à ce qu'on les élimine. Sac, commandant. Il faudrait peut-être les essayer. Personne n'est sergent. Si, si, il y a John Rambo, mais il est blessé. Peuple de se mettre en route. Commandant, la Résistance dispose d'une cache de ressources à l'abri d'Advent. Mais cela va nous obliger à survoler et scanner la zone si nous voulons nous en emparer. Calcul du nouveau cap du Talion. L'atelier se met à côté des bobines histoire de créer ça au lieu de l'électricité. Merde, je m'en doutais, tu vois. Accident. Au pire, on en reconstruira un, on détruira l'ancien, on s'en bat les couilles. Nouvelle cible, fais voir. Récompense d'intérêt Smirnova, résistante. Michel Murray, résistante. Ok, encore des. Sauver les contacts de la résistance rebelle. Évac fixe, mission d'infiltration, départ camouflé, centre urbain. Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Ouest, secteur 15. Je suis sûr, il nous reste 2-3 Spec Ops, c'est possible. Non! Non! Vous êtes trop nombreux! Personne en fait, si d'accord. On voit Vicky le sniper. Et Karen. Je mets tout ce que j'ai. Vicky le sniper et Karen. Tirez-vous. 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 Et tirez-vous. Allez.
0% infiltration, la team. Hein. Mais il faudra bien faire. Il faudra être discret, les enfants. Il faudra pas faire de bruit. Il va pas falloir faire son micheton. Calcul du nouveau cap du Talion. Il va pas falloir dandiner du fiac, c'est moi qui vous le dis. Ouais, contact avec la résistance, je sais pas ce que ça vaut. Calcul du nouveau cap du Talion. 65 ressources restantes, je vais pas dire nonx. Nouvelle cible, tout ça. Nouvel article. On gagne un Heavy Gunner et un lot de renseignements. Trouver un indice. C'est quoi les indices? Nous mettons le cap sur les. J'arriverai jamais à récupérer ces boîtes. Encore une nouvelle cible. Europe de l'Est, lot de renseignement, capture de VIP. Attends, pas tout de suite, Jean-Michel. Bah, de toute façon, les enfants, il reste plus que vous. Il va falloir y aller. Il va falloir y aller, parce que sinon après il me dit que j'ai raté l'émission, l'autre enculé. Mercure, préparé au déploiement. Les boîtes. Du puis-je récupérer la boîte, s'il vous plaît? Mais non, mais foutez-moi la paix. Cadeau invoqué, pirater le. Ici à libération de la région. Ignorer. Non. Alors attendez. Vous semblez pas comprendre. Arrêtez. Ressources. Je veux des thunes. Ressources. Recruter. Voilà. Merci, parce que je transpire sous l'émission là. Les ressources, merci. Nous mettons le cap sur l'Arctique. Mission d'officier terminée. Excellent. C'est quoi cette mission? Détruire le relais extraterrestre. Saboter les opérations d'Advent. Ouais, bonne chance! En fait, ça se trouve, ça passe, tu vois. Mercure déployé. C'est bon, on peut y aller. C'est maintenant ou jamais, d'accord. Ok, une montée d'adrénaline. Sauver les contacts de les résistances. Libérer les trucs, tinchin. On est à 197% infiltrés. C'est maintenant ou jamais, let's go. T'envoies ton seul soigneur et chef en solo. Absolument. Mais, ça se trouve, on va pouvoir contourner les adversaires, réussir à faire une opération incroyable, comme on aurait pu le faire avec la bombe et tout, en mode bip bip bip, impeccable, et puis extraction, mais comme du miel. Je vais y croire.
Est-ce que tu y crois vraiment? Mais il y a trop de missions. Ok, extraction. Un, et deux, et trois, et quatre. No way is a good way. I'd recognize that mug anywhere. On a 36 tours. Autant dire qu'on a tout le temps. On attend. Drone fait n'importe quoi. Nice. Bloodthirsty savages knocking at the gates. Donc là, il y a des connards. Qu'à cela ne tienne. On my way. Qui bouge et qui va où? Ça patrouille dans le mauvais sens, que je voudrais pas que ça patrouille, mais on n'a pas le choix. Donc on peut peut-être les contourner par la gauche ensuite. Et ça, ça va dans le bon sens qu'on aime et qu'on veut voir plus souvent. C'est bien ça. En face, il y a un autre drone. Ça scanne, ça scanne. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On pourrait se taper une ligne droite. Mais... On y croit. On regarde à gauche, on regarde à droite et on traverse, si tu veux. Sans regarder. Oh, right. C'est du miel. That's what you want. There they are. Si je pirate, est-ce que ça me repère ou pas? Test. Oui, ça, y a pas moyen de les faire sortir de manière C'est pour ça que le truc est plus bas, c'est la caméra. Ah,
ouais. Oh, yeah.
Je reconnais que ce que je fais, c'est une dinguerie, si tu veux, mais... Que tu, je veux essayer d'y croire. Ah, chier, c'est gratuit. Chier, la chance. Come on, is it really that hard? Moi, tant qu'elle est en stade, sa stase, pardon, elle est invincible. Elle touche. C'est arbitraire, d'accord, super. Stase de Super Saiyan, de mes couilles, je sais pas quoi, de c'est la triche. Je prends un risque par rapport au... par rapport à l'Advent qui est juste en dessous. C'était gratuit depuis le début. Et puis, à chaque fois, j'oublie que les prêtres peuvent ressusciter et que ce sont des... Et qu'ils sont chiants de ouf. Un prêtre, ça ressuscite, ça veut pas mourir. Il faut double kill pour confirmer. Il faut focus le prêtre. Quel enfer. Par contre, le fait que la porte s'ouvre, ça déclenche l'alarme, je trouve ça bullshit. Tu la pirates, si tu veux, c'est censé être... C'est censé être win, si tu veux. Mais là, c'était malheureusement trop beau. Et ça ne l'était pas, je trouve ça honteux. Honteux, je dis. Je vais essayer de prendre l'initiative sur cet enculé au moins. Yes.
Zéro luck. Je fais la grande fuite des civils. La grande fuite des civils de 66. Tuer, pas de stase, pas de magie mystique du cul. Très bien. Ok, I see your angle. Alors oui, peut-être, mais vous m'avez découvert sur votre tour, vous avez pas le droit de jouer. Sinon, c'est de la gigatriche. Je suis censé fuir, moi, madame. Vous me voyez pas, vous pouvez pas tirer. Putain, il tire sur les civils. Il est pas mort, il est pas mort. Tu me vigilances, c'est comme ça. Toi. Après, moi, j'ai l'astuce, hein. Je n'hésite pas à utiliser des civils en pleine santé pour déclencher des tirs de vigilance. Hein. On est venu vous sauver, monsieur. Ah putain, mais c'est un chat en vrai.
Ici, c'est ailleurs. C'est pas grave, courez. Courez, vous dis-je. Je vous jure, vous verrez la sagesse de mes propos. Cadencier. Yeah. Double sauce. Un zombie, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas me flanque là, si? Non, c'est bon quand même. Respect. Personne n'est en Overwatch? Vous êtes sûr de ça? Mon gars, je vais prendre la fuite! Where are we going? C'est la cavalcade! Vite, il n'y a plus aucun respect. Tout le monde se casse. Allez, allez, allez. Statut confirmé. Nous avons protégé un civil. Shit. Alors, est-ce qu'il spawn là où c'était prévu qu'il spawn ou est-ce qu'il spawn là où je me trouve? Ce qui serait dégueulasse. Genre pile sur moi, tu vois. Real hellhole. Ah, pile sur moi, ok, ouais. Vise bien. Mais je comprends, c'est difficile pour vous. Moi je m'en bats les couilles hein. Statut confirmé. Nous avons protégé un civil. Ça compte hein. Ça compte, ça compte. C'est durant votre tour, vous avez pas le droit de jouer. Bah sinon c'est triché.
Right then. Right then. I got you all dead to rights, yeah. Motherfucker! Dead to rights! Ça saigne. En vrai, j'ai fait une erreur, il avait une épée. C'était pas intelligent de ma part. Oh, ça whiff! Whiff! Shot. Alors, c'est du tout ce que je voulais faire. Descends. Ouais, ok, on se casse. Ça panique. Ah, oh, je le mérite. Ça se fait. Attaques de dissidents actifs hors des centres urbains n'ont pas pu empêcher les progrès des programmes d'aide sociale et de développement d'Advent. Les chiffres de l'émigration citoyenne volontaire sont au plus haut depuis des années. Les extraterrestres ne s'attendaient pas à un tel combat. Vous m'impressionnez, commandant. La manière dont John Mark est tellement John Marsh pardon est tellement cohérente avec sa vie. Il réduit la mobilité ennemie. Boah. Je suis pas tentant. Je suis pas tenté. Moi la suppression de zone ça m'excite. Hein.
Après, il peut faire trick shot et leg shot. Checkmate, unload and fanfire. Checkmate, c'est quoi? D'accord, c'est que du cac. Ah, je sais pas, fanfire. Oh la vache, ça prend, c'est très fort en vrai. En fait, Akimbo, c'est super fort. Tu tires trois fois à une cible seule. Waouh. Oh, la vache, il est ultra fort. La vache! Mais je me rends compte à quel point le kung-fu du kata du flingue au cac, c'est ultra fort en vrai. Alors j'ai une question. Si tu fais une suppression de zone, ah putain, j'hésite. Suppression de zone, s'il y a genre 4 personnes dans la zone, est-ce que les 4 se prennent un suppression fire s'ils bougent ou s'ils tentent une action en fait? Par ça, c'est super sexy. Le truc, c'est que... Justin, je pense. Dans ce cas, c'est de la merde. Un ennemi peut pas bouger, un seul, d'accord. Parce que voilà, leg shot, c'est sympa. Pour empêcher l'ennemi de bouger, mais bon, ça change pas grand-chose. Electrified Spike. Allez.
regrette d'avoir pris Trickshot. Quoique ça m'a bien servi. Enfin, ça m'a bien servi. Ça m'aurait bien servi si je m'étais pas trompé, si j'avais pas fait une attaque cac de merde. Nous manquons de bras, commandant. Le QG de la Résistance pourrait nous fournir des recrues. On a gagné une recrue. Yay! Pam 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 pam. Ouais. Est-ce qu'on a. Non, tout le monde bosse. Revenu plus 404, Jesus Christ, on est devenu rentable tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai mis tout le monde à bosser sur les revenus? Parce que c'est pas qu'on a besoin d'un peu de thunes, mais on a besoin de thunes. Oui, je sais qu'on est au maximum de la. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est là où on l'a abandonné. Très bien. Extraction. Extraire le VIP. Libérer un prisonnier important. Ah oui! Un scientifique. Et c'est vrai qu'on a lancé une escouade, disons. Et il y a le sorcier aussi dans la zone. Ah! Nous sommes donc dans une zone et une situation. C'est un peu la dernière mission, c'est vrai. En plus, il faut que j'écrive demain. Je pense que demain, je mettrai pas d'épisode et j'écrirai à la place. Comme ça, j'aurai pas à me diluer. Peut-être que j'en serai en live avec de la musique et j'écrirai en même temps. T'as besoin de pilulu? Ouais, on est alentour de 15h, les Gnérifs. La Résistance nous demande notre aide pour récupérer un VIP qui leur fournit des données de reconnaissance dans ce secteur. On a les coordonnées, mais il faudra sûrement éliminer tout un contingent d'ennemis pour mener à bien cette mission. Tout un contingent? Je crois que j'ai envoyé deux personnes. Ah non, c'est bon, c'est une vraie équipe. Dieu merci. Menace 1-5, coordonnées de la cible transmise. Protégez le VIP et rejoignez la zone pour son extraction. Où est-il? Advent sait déjà que nous sommes là. Notre position n'est pas camouflée pour l'extraction. Il est avec nous. Léon, professionnel. Tu es dissimulé? Tu es dissimulé, Dieu merci. All it takes is a step forward. Ce qui veut dire que tu peux un petit peu scout. Let's get going. En espérant qu'il n'y ait pas de drone. Oh, ok, d'accord. Ça, ils vont nous voir si on fait ça. Darling. Pour l'instant, on s'approche, mais on ne fait rien. All right, let's make this a lot of fun. You don't say. Ah, j'y vais. Acknowledged. We gotta shoot some stuff up, yeah? On a un orc. Il est fantastique. Hail to the king, baby. You thought I look good now. Just wait. Alors, full overwatch. Et quant à vous, madame? Fin du tour. Aha. Ça monte les échelles. I won't run from this. Eux, ça s'éloigne. C'est bien, c'est bien. Il faut juste que j'aille explorer de l'autre côté pour voir this si la voie est libre path, et qu'on peut monter. On peut pas monter à gauche, mais est-ce qu'on peut monter à droite? On peut monter à droite. Is okay. Et là, on se fait repérer à l'infini, là aussi. Oh, darling. Yeah. Tout de suite. Fine by me. I hate drills. Oui, oui, on va tirer sur des trucs, TKT. Alors, pas trop la rage à cause de l'affaire Redox Discord? Gaïx, partant du postulat que je suis Bob Lennon, non, moi je vis très bien. T'es marré. Mec, c'est au pif. Oh non! On est au pif! Il fait rêver. Clouds ought to just blow by. À nouveau. Mais c'est votre tour, vous n'avez pas le droit de jouer, normalement.
normalement. Qu'est-ce que c'est que ces soldats encore? Seems you're no ordinary soldier. Très bien, ils ont rien capté. Si je fais ça, je vais me faire repérer à d'infinitum. Zap! Oh, ça touche! Il est désorienté. Shit. Bon, là, je peux aller au cac! Mais à chaque fois que je fais ça, je finis par mourir. Donc, c'est pas possible. Je vais me faire tuer par lui, tu vois. Donc là, non, pour une fois qu'on a l'avantage, on va en profiter pour sniper gentiment, sagement, calmement. Ah, dommage. Raté. Une chance sur deux. Dommage. Métier ou ouais. C'est par ça. Ah, ça a été excellent. Quelle chance.
I like where this is going. Bonjour. Salut. Hey, nice place. Score one for the big guy. Motherfucker. Et à quoi par là? Faut que je remette Shadow le hérisson, c'est vrai. 20%! Waouh, il est en couverture. Alors que là, plein de chances de toucher. Let's go! Nugetsu Ninja! Oui! Oui, oui. Voilà, j'en ai eu un. Moving to that area, sir. GG! I've got this under control. Qu'est-ce qui me repère? Ça dit quelque chose ou quelqu'un me repère si je fais ça. Donc en vrai, waouh! Got it, boss. That's fine by me, honey, as long as I got a pull. Flingue. Allez, crash. Réaction rayée, perdant 0%, cache de données 52%. Bon, bah, ouais. Bon. Ah, j'aurais fait un bon jet. Tant pis. J'ai tellement de d'aliens en flanque là. Certes, c'est un risque, mais... Oui, c'est un risque parce que je suis pas en pleine couverture. Donc c'est le meilleur moyen de me faire tuer, en vrai. J'espère que ça vaut le coup. J'ai fait n'importe quoi. Je voulais pas faire ça. J'ai aucun regret. La voie est libre. Je me recache.
Advance. On va finir par se faire repérer. Et j'aimerais avoir une attaque préemptive si possible. Oh. On it. My turn. Don't mess with me. Ça m'a vu? Pourquoi ça m'a vu? Comment ça m'a vu? On ne sait pas. Tout est mystérieux, très bien. Groovy. En charge. Boy, let's go. Partez. Partez, madame. Oh. Insupportable. You should see what a gal can do. Maximum Overwatch. And I've got a sweet tooth. It's buff. It's buff. Ça bouge. Bon réflexe. Ils savent qu'il se passe des dingueries dans cette direction. Ça bouge. Dans le tas, c'est pas pareil. Okay. Alors. Ah, quelle saloperie. Support order acknowledged. Pleine chatte. Greetings. Please report any sightings of these civilians to your nearest admin station. Wow!
Foxy. Ouh! Sexy. Good night, sweetheart. C'est bon, elle est en couverture. Vous, docteur machin fructose chaîne. Il faut avancer, madame. Très bien. Très bien. 5 ressources, c'est gratuit. C'est pas rien. No use for words in battle. Trop de pression. Come get some. Semi Overwatch, voilà, ça libère. Il va se permettre une dingue. Ah, je suis dead. Ah, don't give me that shit. Stase, ok, pourquoi pas, ouais, bah, je t'amuse, oui. Why not? Fini le travail. Ah! Saleté! I'm your worst fear. Come on, we gotta move. Compris, j'y vais. Marco, Marco, Marco. Go, 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 go. Mademoiselle Kelt, il faut partir. Allez, petite pré-éjac. Without saying. Order acknowledged. I'm moving already! Yes! Tout le monde est là? Oh! Eh ben, somme toute, voilà qui s'est rondement mené! Menace ASAC, statut confirmé, mission accomplie. Tant que j'ai l'avantage en mission, en fait, et que tout va bien. En fait, soit je me fais rouler sur la gueule, soit c'est l'inverse. Mais il n'y a pas d'entre deux.
ça rend très bien. J'aime bien la pause. Comment ça la pause, P-A-U-S-E? La pause, P-O-S-E, connasse! Tes sous-titres! Mon autisme! Ne laissons jamais ces rebelles insuffler la peur dans notre cœur. Leur victoire aujourd'hui n'aura aucun impact réel sur l'histoire avec un grand H. Ce n'est qu'un contre-temps sur le chemin du salut que les anciens nous ont préparé. N'empêche, il y a un orc qui vit sa meilleure vie. Hein. Les humis sont bizarres. Ils m'amènent tirer sur d'autres humis et ils savent bien faire les wags. L'astuce, c'est de se retenir de tirer sur ceux qui sont très colorés. Il faut penser orc, tu vois. Même il y en a un, Zumi, il aurait pu être un orc. Impeccable. Ah, il a pas eu de promotion, lui, Damit. Écoute. Voyons voir, canonnier, vos roquettes sont plus précises, délogées, tir de lance-flammes qui affiche des dégâts modérés, mais forcez les ennemis à changer d'emplacement, on s'en bat les couilles. Suppression, c'est pas mal. Non mais on va. On va en faire un Rocketman. Ok, Devin, de ce côté, électrochoc, super. Électro-impulsion. Thank you.
Donc c'est vrai qu'il faut jouer le Shield Protocol. Bonus Move Action Disturb, c'est seulement pour courir. Et je suis en train de me dire, soit je garde le truc qui te donne du concealment si tu te planques contre une grosse cover. Et il est brisé si tu bouges, mais le problème c'est que c'est un peu à chier si tu veux. C'est un bonus action, tu peux pas te déplacer et tirer. Non, c'est juste un move pour bouger en plus. Donc tu peux faire 3 déplacements, tu vois. C'est un peu naze, mais d'un autre côté... Après, Lone Wolf, qui lui permet d'avoir une meilleure visée, ferait de lui un meilleur sniper, si tu veux. Ça permet de flank, en somme. Ouais. Et de plus... Comme il utilise des épées, il est toujours en déplacement, il est toujours en galère et tout le reste, j'hésite entre Lone Wolf et Double Time. Le prochain, je réfléchis pas, c'est Cutthroat, tu vois. La visée, allez, ça fait de lui un meilleur soldat en tout. On va prendre ça. Et enfin, shoot a boy! Combat de finesse, plus 1 HP, 1 mobility, fight dodge, raising fire, dueliste. Combat de fitness, hein. J'hésite. Grazing Fire, les tirs qui te frôlent, c'est de la merde. Combat de fitness, c'est cool. 1 HP, 1 mobility, 5 dodge. C'est toujours bon, en fait, à prendre. Tu vois. C'est toujours gratuit. Dueliste. Tous tes tirs de pistolet font plus mal, percent les armures et ont une grande chance de toucher. De plus, vous gagnez le talent Return Fire, qui veut dire que si quelqu'un me tire dessus, je lui tire dessus aussi. Et quelque part, c'est plus de Daka, tu vois. C'est quelqu'un me tire dessus. Daka, Daka, Daka. Ouais, je suis séduit. Perforateur, il faudra, tu vois. Quoi qu'avec le pistolet qui brise le... Comment ça s'appelle? Qui brise l'armure. J'ai plus besoin de perforateur et je pourrais prendre gâchette rapide pour plus de Daka. Mais après, perforateur, c'est trop essentiel, j'ai envie de dire.
Ouais. Wouah! Ryu. Alors Ryu, tu es un soldat de corps à corps et de kung fu. Flashbang, Bert Knuckle. Tes attaques au corps à corps font plus 3 de dégâts. Et ça augmente avec le rang, c'est nickel. Plus 20 de visée et plus 20 de crit sur les attaques qui, des gens qui sont à côté. Mais ça marche pas avec les attaques de corps à corps malheureusement. Je pense que ça marche avec... Quoique... Hein. Je sais pas si... est-ce que Hit 10, brave Jean, ça se cumule avec les attaques au cac? Parce que si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est pété. Mais quoique son attaque au cac, il faut qu'il tape au couteau. C'est pas au cac, c'est au pompe, ouais, voilà. Chance de toucher, c'est mêler et viser. Oh. Ouais, mais... Le kung fu. Boule magique, fil de lave, plus 1 point de dégâts et leur vie augmente de 10. Tu peux tirer au flingue dès le début, genre même pas tu réfléchis. Marche fustive, tu ne déclenches pas les tirs en mode vigilance ou les tirs réflexes. Oh, tout est intéressant. Un répéteur, des bords acérés, quelques renseignements et surtout. Bras, commandant. Le QG de la résistance pourrait nous fournir des recrues. Une scientifique. Je suis toujours très pris par les recherches prioritaires en cours, commandant. Commandant, l'officier d'Advent étant actuellement en chambre froide, nous devrions pratiquer l'autopsie dès que possible. Mouais. Ah, débris extraterrestre déblayé, voir la salle. C'est pas celle que je voulais. Moi, ce que je veux, c'est la bobine. Six jours, très bien. Ah, c'est vrai que je suis déraisonnable. J'aurais jamais pu imaginer un résultat pareil, mais c'est très intriguant. Un instant.
Ayant examiné de plus près les moyens mis en œuvre par les extraterrestres afin de maîtriser les pouvoirs psioniques et de les utiliser, je pense que nous avons de bonnes chances de trouver suffisamment de candidats viables. Toutefois, face aux puissants pouvoirs psioniques des extraterrestres que nous avons combattus sur le terrain, ce ne sera peut-être pas suffisant. Pour nous préparer à former cette nouvelle classe de soldats, j'ai utilisé l'implant que nous avons retiré au commandant pour étudier la technologie de concentration et de dérivation de l'énergie psionique. J'ai réussi à concevoir un amplificateur psionique capable de concentrer et d'améliorer l'énergie psionique que les soldats apprendront à maîtriser. Bien que les risques d'effets secondaires soient très élevés, il est possible que nos soldats puissent développer leurs nouveaux pouvoirs au-delà de ce que nous imaginons. Ah, le Psylab. Ça donne des renseignements. Ouh, forcer un coffre extraterrestre. Les loot blocks, les loot box, les loot box, les loot box. Je vous ferai signe dès qu'un rapport complet sera disponible. Nous avons fait plusieurs découvertes. Construire épée. Armure moyenne, fusil d'assaut, épée, let's go. Pouah, Loki. Bord acéré supérieur. Chasseur de gros gibier. 30% de chance de coup critique et plus 45% de chance de coup critique. Ah ouais. Ah donc on a 75% de chance de coup critique. Ah oui. Ah oui. Commandant. Ah oui, c'est une... C'est énervé quand même. A hâte de se mettre en œuvre, commandant. Ah ouais. Ça donne. Expiration de la mission, lancez là où vous barrez-vous. Sorcier du poignard, sauver des contacts de la résistance, libérer des rebelles captifs. J'ai dû y envoyer une personne, let's go. Mais attends, si c'est libérer des rebelles captifs, ça veut dire qu'à la seconde où j'ouvre la porte, c'est l'alarme. Je déteste. Je déteste quand ça déclenche l'alarme quand t'ouvres la porte. C'est honteux. Peut-être que quelqu'un va mourir là du coup. Oui, j'entends les responsabilités, j'entends. Je veux juste voir à quel point je me suis baisé sur cette mission. Ah, ils sont trois, quand même. L'escouade activée. Advance. Avec la bannière des ultramarines gigantesques. Squad on the move. C'est trop classe. They will not escape our holy fire. Je ne savais pas que ça faisait ça, mais c'est la pure classe. On y va. Hurry up, we're wasting time here. Target's on the move. Allez, allez, allez. Discrétieux, discrétieux. Ne monte pas à l'étage là, c'est tout ce qu'on peut espérer. Ils sont enfermés dans ce bâtiment et ils sont juste en face. Là, il y a une belle porte avec une belle fenêtre. C'est la
le meilleur moyen de se faire repérer de fou. Je bouge. Faire un Overwatch. Allumez-les. Ah oui, d'accord, tu vas si loin que ça. Tu es un ennemi là ? J'apporte ça où ? On se fait allumer dans le coin ! Ah ! Fuck and roll. Rien. Je me fais allumer. Squad on the moon. Ok, il est là, mais c'est pas grave, c'est bugué. I saw nothing, brothers. Ensure they are finished.
good position. The Emperor protects. L'empereur nous garde. Understood. Plus de munitions. J'ai bien ce qu'il faut pour t'achever, toi, enculé. Done. Parfait. Ça fait longtemps que mon sniper est vide, mais je m'en contente. Tu vas chier. Par ici.
you're moving. Ça devrait pouvoir se faire. Je vais t'arriver. Making for the wall. De là, ma ligne. Fucking hell. Je passe en vigilance. Toi, tu m'emmerdes. Là, j'ai vidé tout mon chargeur dessus. J'ai eu la cible. Mais à un moment, faut arrêter, voilà. Tous les civils. Allez, ça envoie. Statut confirmé. Nous avons protégé un civil. Merci à Erimir. Ouah. Je vous remercie infiniment de faire péter l'argent, même après tout ce temps. Je... Non pas que j'en ai besoin, mais vous me donnez parce que j'en avais envie, je vous en remercie. Chop douche. Je le prends, et sachez qu'avec, je soigne ma santé mentale. Je reste pas dans le coin. En allant manger, une fois tous les 2-3 jours. 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Dans la petite crêperie qui est juste en bas de chez moi. Et je prends une crêpe jambon œuf fromage, qui coûte très exactement 12 francs.
C'est-à-dire 10 balles peut-être. Voilà. Avec un grand verre de sirop à la menthe. Et même que comme le patron commence à me connaître, de temps en temps, il me l'offre. Et en fait, ça me permet de sortir et pas de devenir fou psychologiquement et de voir des gens. C'est important d'avoir un endroit à toi, tu vois. Je tiens à rassurer les citoyens d'Advent. Nos soldats de la paix mettront tout en œuvre pour empêcher d'autres attaques criminelles comme celles que nous avons connues aujourd'hui. Les anciens ont une confiance totale en notre capacité à faire taire ceux qui menacent notre paix. Moi, j'aimerais bien recruter le président. Nos hommes ont l'air d'avoir la tâche facile, commandant. Et c'est grâce à vous. Deux jours, oh, il va s'en remettre. Non, bof. Alors ça c'est cool. Donne à un allié un Overwatch bonus, un tir d'Overwatch en plus, et le fait qu'il a peu de chances de rater son Overwatch. Ça c'est la première fois que tu tires ton fusil à canon scié. À chaque tour ça ne te coûte pas d'action, ce qui est sexe en vrai. Mais disabling shot c'est le plus efficace, ça fait de toi le meilleur sniper. Ouh. Une nouvelle recrue dans l'institut de guérilla. J'ose espérer qu'il se passera deux jours pour le décryptage de coffres extraterrestres. Plus tard. Nos peuples semblent s'entendre à merveille, commandant. Ah bon? Ah oui, la mission secrète, c'est cool ça. Et du coup, est-ce que tu peux me foutre la paix deux jours? Parfait. C'est finito. C'est finito, braves gens. Je coupe tout. Je vous aime très très fort. Je vais me coucher. Entends-tu ton lit qui t'appelle? Je vous 5h30. Eh ben, on a commencé à 14... Enfin, à quoi? À 15h. Et on a fini à 5h30. Enfin! Enfin une session jeux vidéo. Ah! Oh! Et putain! Quel régal. Quel régal, quel régal. Rassure-moi, t'as pu manger? Non, j'avais pas faim. I'm ok. J'avais mangé quelque chose. It's ok. Ah, merci infiniment. Pouf. Eh ben, si vous avez des modes ou d'autres modes à conseiller, n'hésitez pas. Mais je... Miam, miam, miam. Comme je dis dans le métier, moi, j'étais plutôt content. Enfin bon. Dans tous les cas, voilà. Je vous fais des bisous et je m'enfuis. Merci infiniment. Hop. Pédep, 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 pédep.